Chapitre 3, de la matière à la vie sur la Terre. Deuxième partie, utiliser la radioactivité en biologie et en géologie. Évaluer l'âge de la Terre en utilisant la radioactivité. Certains minéraux constituant les roches peuvent contenir des isotopes radioactifs. En évaluant à un instant T la quantité de ces éléments radioactifs, on peut dater la formation de la roche. On voit ici une auréole montrant que la désintégration de l'isotope radioactif a émis de la chaleur. On mesure le nombre de noyaux d'éléments pairs radioactifs ou d'éléments fis radiogéniques en fonction du temps. Au départ, lors de la formation de la roche, il n'y a que de l'élément pair radioactif, représenté ici en rouge. Le nombre est noté N0. Puis au fur et à mesure du temps, l'élément pair radioactif se désintègre en élément fis, ici en bleu. Il y a donc de plus en plus d'éléments fis au fur et à mesure du temps que d'éléments pairs. On peut tracer ainsi la courbe de désintégration de l'élément pair en rouge et la courbe d'apparition de l'élément fis en bleu. Grand T, la période, correspond à la moitié de la quantité initiale d'éléments radioactifs. Grand T est une caractéristique de chaque couple d'éléments radioactifs radiogéniques ou pair et fis. Afin de dater une roche, on mesure la quantité d'isotopes fis radiogéniques en fonction de la quantité d'isotopes pairs radioactifs. Donc, on a ici les valeurs obtenues à partir des dosages des isotopes dans l'échantillon ou dans un minéral d'une roche. Si on fait une mesure sur plusieurs échantillons ou plusieurs minéraux d'une même roche, on obtient donc différents points. On peut alors tracer la droite isochrone, qui est une droite qui relie les rapports isotopiques des différents minéraux d'une même roche. Cette droite a pour équation Y, donc les ordonnées, l'isotope fis radiogénique, égale AX plus B, A étant ce qu'on appelle le coefficient directeur de cette droite, qui va nous servir à calculer l'âge de la roche avec l'âge de la roche, petit t, égale ln de A, donc le coefficient directeur, plus 1 divisé par lambda, lambda étant une constante de désintégration du couple d'isotopes pair-fis. C'est ce que nous ferons lors du TP. La plus grande difficulté pour évaluer l'âge des plus vieilles roches de la Terre est que par définition, les roches situées à la surface de la Terre, la croûte, se renouvellent en permanence par des phénomènes géologiques, subduction, collision. Certaines zones continentales ont été préservées au cours des temps géologiques. On les appelle cratons de l'Archéen. Elles sont ici symbolisées en rouge foncé. La datation de ces roches permet de s'approcher au plus près de l'âge de la Terre. Elles sont datées de 4,4 milliards d'années. Grand 2, utiliser la radioactivité en biologie. De nombreuses techniques d'imagerie médicale utilisent des composés radioactifs. La scintigraphie est un procédé d'exploration du corps humain permettant de diagnostiquer certaines pathologies telles que des cancers ou des dysfonctionnements d'organes, cerveau, thyroïde, etc. On voit ici sur l'image de la scintigraphie des métastases osseuses à la suite d'un cancer du sein. On peut également utiliser la radioactivité en biologie lors de la radiothérapie, c'est-à-dire pour soigner. La radiothérapie consiste à utiliser des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. L'irradiation a pour but de détruire les cellules cancéreuses tout en préservant le mieux possible les tissus sains et les organes avoisinants. Les rayonnements abîment les cellules essentiellement au niveau de leur ADN, et notamment lors de la division cellulaire.
On voit ici le plan de radiothérapie d'un patient atteint d'un cancer pulmonaire. On voit le scanner du patient au niveau de sa tumeur primaire, ainsi que la dose planifiée en chaque point. Les doses affichées sont de plus en plus intenses à mesure qu'elles vont du bleu au rouge.